Il y a quelques mois encore, alors que j'assistais par Zoom à une réunion d'esprit critique, tout le monde était là, hein, à zoom, prof, simplet, tout ça, et que je proposais de créer un petit spectacle d'un quart d'heure sur le sujet, j'insistais sur le fait que je tenais beaucoup à ma liberté de ton. Et donc mon propos était d'œuvrer dans le sens de l'esprit critique en apportant une forme plus humoristique, plus sarcastique peut-être, à la réflexion. Bref, je dois bien reconnaître que j'ai été fort surpris d'entendre l'un des plus célèbres d'entre les zététiciens ouvrir son micro sur Zoom, prendre la parole et me dire ceci Tu n'es pas une femme Alors ta gueule. Tu n'es pas homosexuel Alors ta gueule. Tu n'es pas noir Alors ta gueule. Ce jour-là, j'ai relativement viré ma cutie. J'ai eu beaucoup de mal à accepter qu'on puisse m'imposer une façon bien lissée, bien politiquement correcte de concevoir mon art. Et j'ai commencé à réfléchir à la légitimité de ces gens-là qui, au final, veulent nous dire comment, pourquoi et que penser, bien loin de la méthode que prenait Descartes. Le bébé du sceptique, à mon sens, c'est de mettre l'accent sur penser à comment mieux penser, et non pas, contrairement à ce qu'on observe, comment critiquer une pensée. Et moi qui croyais pouvoir aborder n'importe quel sujet de façon neutre, je suis caricaturalement partial, égaré dans une forêt de biais de confirmation si dense que j'en suis même plus conscient. Prenons un cas concret qui va faire pleurer dans les chaumières, et je m'en fous, le radicalisme politique. Ouais, les comportements radicaux sont-ils le fruit, le résultat d'une moins bonne capacité à se remettre en question. Hey, ça, va, ça va piquer. Hein. Et en zététique, comme en religion, le sacrilège mène à une excommunication sans procès. Curieuse et curieux, ça faisait longtemps que j'avais envie de vous dire que je trouve ça toujours très dommage quand je vois des sceptiques faire passer leur orientation politique, très engagée, très à gauche ou très à droite, qu'ils ont tout à fait le droit d'avoir, mais le faire passer devant l'esprit critique. J'observe, de mon côté, dans ma bulle de filtre, que certains courants politiques exigent une intolérance totale envers certains esprits. Je connais certains sceptiques qui priorisent tellement leur idéologie politique qu'ils ne tolèrent pas la diversité d'opinion au sein de la communauté sceptique. Mais à un point extrême, c'est-à-dire qu'ils n'en tolèrent pas la moindre présence. Ils veulent une communauté sceptique pure. Une communauté sceptique qui ne contient que leur idéologie politique. C'est juste triste que les belles choses s'abîment quand des assoiffés de postures wokistes prennent le pouvoir. Ok. Donc, on avoue enfin publiquement qu'on a un problème avec la zététique. Bon. Alors, c'est peut-être le moment pour moi de vous montrer la vidéo que j'ai tournée à l'automne dernier suite à une longue conversation avec des collègues et pas seulement ceux que vous venez de voir, loin de là. Mais cette vidéo, je ne l'ai pas diffusée parce que certains ne se sentaient pas dans la bonne disposition pour gérer une shitstorm. D'autres voulaient avoir le temps, eux aussi, de s'exprimer sur la question. Mais puisque les langues se délient et qu'on est plusieurs à avoir décidé de faire ce qu'on veut et pas ce que les autres attendent de nous, peut-être que le moment est venu de moi aussi y aller de mon petit pavé dans la mare. C'est quoi au juste la zététique En vrai, si je regarde les définitions que je peux en trouver, c'est une sorte d'hygiène mentale qu'on s'applique à soi-même avant de l'appliquer aux autres. C'est une façon d'envisager son scepticisme qui implique de prendre de la hauteur sur sa condition d'être humain faillible, afin d'éviter les biais cognitifs et les erreurs méthodologiques, afin de s'approcher au plus près de la vérité. Dans le sens absolu du terme. Et on va pas débattre maintenant du sens philosophique du mot vérité. Ça consiste à prendre conscience de ses propres biais et de ses zones aveugles, de sa propre ignorance et de ses croyances, et espérer s'en débarrasser afin de considérer les choses pour ce qu'elles sont et non pas pour ce que l'on souhaiterait qu'elles soient. Alors bon, c'est très bien comme définition, mais moi j'avais déjà un mot pour ça. C'est le scepticisme. La zététique était censée être l'étude rationnelle des phénomènes paranormaux et des pseudosciences, mais ça, ça a aussi déjà un nom. Ça s'appelle la science. Et si je dis était, c'est parce que force est de constater que la zététique, aujourd'hui, on l'applique à n'importe quoi. C'est donc à rien d'autre que du scepticisme. Pourtant, des tas de gens se revendiquent zététiciens. La zététique ressemble donc à un courant de pensée au sein du scepticisme en général. Pourtant, j'ai beau chercher, je vois pas la différence. Peut-être que la zététique, c'est juste un mot comme ça pour se donner un genre. Ou peut-être que c'est pour appartenir à une communauté, je sais pas. Des sceptiques, j'en ai rencontré un paquet IRL, mais les zététiciens, j'ai l'impression que c'est une communauté qu'on trouve vachement plus sur internet. D'ailleurs, euh, communauté. Euh, comment dire Je vais pas vous faire un dessin, ça se tire méchamment dans les pattes. Si vous avez vu même de loin les différents dramas qui ont fleuri cette année, vous savez de quoi je parle. Et justement, ces dramas, c'était pourquoi En fait, quand on y pense, c'était toujours pour la même chose. C'est systématiquement parce que un tel n'est pas assez bien, ou parce qu'un autre a dit un truc pas assez lisse ou politiquement correct. Pardon, pas assez inclusif. C'est comme ça qu'il faut dire. Les dramas dans la sphère sceptique, en fait, ils viennent tous d'une bande d'attardés congénitaux et de cas sociaux pour qui rien, à part leur petite personne, n'est assez bien. Qu'est-ce qu'il y a C'est psychophobe Et si je t'encule jusqu'entre les omoplates, c'est homophobe Ou je dois rajouter ça pour que le message soit plus clair Mais si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas juste pour déverser mon fiel de la sorte. On en a longuement discuté avec des collègues, et on s'est dit qu'on devrait peut-être vous en parler à vous aussi. En fait, on a l'impression que la zététique se wokise. Déjà, j'aimerais parler brièvement de ces gens qui, il y a quelques années, faisaient des vidéos, parfois de qualité, sur l'esprit critique et qui aujourd'hui se contentent de militer sur Twitter pour, bah... Euh, c'est dur à dire en fait, en gros, pour les gentils et contre les méchants, quitte à ranger sans nuance l'intégralité du monde dans l'une ou l'autre de ces cases. Puis il y a aussi ceux qui se servent de la zététique pour leurs idéologies. L'esprit critique, c'est un outil puissant, ça permet, avec un peu de pratique et de compétences dans le domaine, de démonter presque n'importe quel argumentaire foireux, en pointant du doigt les incohérences d'un discours ou les sophismes qui l'émaillent. Seulement voilà, on peut faire un sophisme et avoir raison quand même. On peut être au moins un peu incohérent et avoir un avis qui tient la route. Parce que le monde est compliqué. Je suis contre la peine de mort, mais je pourrais personnellement coller une balle dans le crâne à Hitler ou Staline. C'est pas de l'incohérence, c'est juste que dans le monde incroyablement complexe et contrasté dans lequel on vit, on ne met pas forcément ses curseurs à 0 ou 100%. Parfois 99,9, ça nous convient mieux. Mais là où je veux en venir, c'est qu'une fois que vous maîtrisez une certaine liste de sophismes et de biais cognitifs, il devient facile de les voir et les relever partout. Enfin, partout chez vos opposants, hein, mais pas chez vous. Hein. Et cet outil qui servait à l'origine à démêler le vrai du faux, il sert chez beaucoup simplement à avoir raison. Vous avez forcément déjà assisté à une joute où quelqu'un fait un sophisme ou un raccourci quelconque et le mec en face lui jette à la gueule puis caracole en affirmant que c'est lui qui a raison parce que regarde ce crétin qui fait des sophismes ou qui est au moins un tout petit peu incohérent et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui se drapent dans la zététique et s'en servent comme outil rhétorique non pas pour chercher la vérité mais pour avoir raison et puis globalement et c'est parfois les mêmes hein, il y a aussi les très très mauvais sceptiques, ceux qui voient la paille dans l'œil du voisin, mais pas le tronc de baobab qui leur rentre dans l'orbite et leur ressort par le cul. Je veux bien entendu parler de ceux qui se revendiquent de l'esprit critique, mais qui sont incapables de voir le monde autrement qu'en rangeant les gens soit dans la case du gentil progressiste inclusif et écolo, soit dans la case du fasciste prêt à foutre tout ce qui ne lui ressemble pas dans un camp de concentration. L'autre grosse plaie, c'est ceux qui se revendiquent de l'esprit critique, mais le rangent bien au chaud dans un tiroir dès que ça touche d'un peu trop près un sujet qui leur est sensible et où ça risquerait d'entrer en contradiction avec leurs convictions. Cela, quand je regarde leurs vidéos écrites à froid et que je les compare avec leurs tweets écrits à chaud, j'ai vraiment l'impression de regarder des obèses morbides faire d'excellents tutos de diététique sur YouTube, tout en étant incapables de résister à l'envie d'entrer dans une pâtisserie dès qu'ils passent devant dans la rue. Mais je vois pas l'intérêt de maîtriser la théorie de l'esprit critique si c'est pas pour l'appliquer quand il y en a besoin. Et là où ça a fait mal et où on est plusieurs à s'être rendu compte de ça, c'était pendant la crise du Covid. Avant le Covid, l'esprit critique, on l'appliquait à des sujets très théoriques ou ayant peu d'influence sur le quotidien, comme les fantômes ou les ovnis. C'était donc facile d'être un bon zététicien. À froid. Et quand est arrivé le Covid, où tout le monde voulait des infos sur une maladie que personne ne connaissait, non seulement on a vu que le grand public cédait plus facilement à la panique qu'à l'esprit critique, mais en plus, ces fameux esthéticiens très bons en théorie ont montré qu'ils ne valaient pas grand chose quand il fallait prendre une décision sous pression. Là où justement il faut être capable de prendre une décision et pas juste de prôner la neutralité prudente et de mettre ses émotions de côté. Et accessoirement, pour finir, parmi les esthéticiens, il y a aussi les handicapés affectifs et les gens toxiques qui se cherchent une communauté à laquelle s'intégrer pour tenter d'exister mais qui n'ont pour seul effet que de créer des tensions en provoquant des polémiques et en montant les gens les uns contre les autres. Mais bon, ça je pense que c'est partout pareil. Non, je ne donnerai aucun nom. Aujourd'hui j'exprime un ras-le-bol que je partage avec des collègues. Le but n'est pas de créer des dramas ciblés, même si, croyez-le bien, j'aurais volontiers mis des noms sur ce que j'exprime depuis tout à l'heure. Et donc, maintenant, je vais vous donner un exemple de ce dont je parle. Imaginez la situation fictive suivante. Nous avons Jean Camel qui fume deux paquets de clopes par jour. Quand il en éteint une, c'est pour en rallumer une autre. Jean Camel aimerait bien être mannequin, mais quand il envoie son boucle de photos où il a systématiquement la clope au bec, on lui dit qu'il ne correspond pas à l'image que les marques cherchent à donner, parce que la clope, c'est dangereux pour la santé. Mais Jean Camel n'est pas d'accord, il suffit de le regarder, il est en pleine santé. Quand il est en terrasse, les gens aux tables à côté le dévisagent et lui font comprendre du regard qu'ils sont indisposés par l'odeur de ses cigarettes. A son boulot, il doit monter trois étages pour aller à son bureau, mais il est essoufflé au bout du deuxième et son patron lui a bien fait comprendre qu'il n'allait pas installer d'ascenseur pour ses beaux yeux. Il a qu'à arrêter de fumer et ça ira mieux. Mais arrêter de fumer, c'est dur et Jean Camel galère sa race. Mais pour autant, dans la vie, il se sent misérable. Les filles qu'il drague lui disent qu'il pue de la gueule, il se sent jugé dans la rue et on refuse de le mettre en avant au prétexte que son mode de vie est mauvais pour la santé et donne un mauvais exemple. Parce que si on le met en avant, lui, on le valorise et on sous-entend que c'est bien d'être fumeur. Jean Camel a parfaitement le droit d'être respecté. Mais effectivement, son mode de vie est dangereux pour sa santé et je m'oppose à ce qu'il soit mis en avant parce qu'il est un mauvais exemple. Jusqu'ici, cette histoire vous paraît logique. Maintenant, on va reprendre la même mot pour mot, à un détail près. Nous avons donc Jean Burger qui avale 5000 kcal par jour. Quand il finit un repas, c'est pour mieux enchaîner sur du grignotage. Jean Burger aimerait bien être mannequin, mais quand il envoie son bouc de photos où il expose ses 150 kilos, on lui dit qu'il correspond pas à l'image que les marques cherchent à donner. Parce qu'être gros, c'est dangereux pour la santé. Mais Jean Burger n'est pas d'accord, il suffit de le regarder, il est en pleine santé. Quand il est en terrasse, les gens aux tables à côté le dévisagent et lui font comprendre du regard qui fera mieux de freiner sur l'entrecôte. À son boulot, il doit monter trois étages pour aller à son bureau, mais il est essoufflé au bout du deuxième, et son patron lui a bien fait comprendre qu'il n'allait pas installer d'ascenseur pour ses beaux yeux. Il a qu'à maigrir et ça ira mieux. Mais maigrir, c'est dur, et Jean Burger galère sa race. Mais pour autant, dans la vie, il se sent misérable. Les filles qu'il drague lui disent qu'il est gros et laid, il se sent jugé dans la rue, et on refuse de le mettre en avant au prétexte que son mode de vie est mauvais pour la santé et donne un mauvais exemple. Parce que si on le met en avant, lui, on le valorise et on sous-entend que c'est bien d'être gros. Jean Burger a parfaitement le droit d'être respecté. Mais effectivement, son mode de vie est dangereux pour sa santé et je m'oppose à ce qu'il soit mis en avant parce qu'il est un mauvais exemple. Voilà, ça c'est être grossophobe. Enfin, pour la branche woke de la zététique, c'est être grossophobe. Moi, j'appelle tout autant ça être factuel que pour Jean Camel. Et si vous êtes pris de l'envie de me dire que c'est pas pareil, vous êtes déjà un petit peu dans la logique qui consiste à défendre des gens parce qu'on leur a érigé un statut de victime fait sur mesure. Je vous rappelle juste que les classes sociales les plus modestes sont celles qui fument le plus, et parmi les fumeurs, les plus gros consommateurs sont les plus stressés. Donc la clope est aussi l'apanage des oppressés. Et c'est là où je veux en venir. Le scepticisme, normalement, c'est faire confiance à la méthode scientifique. Et la science, elle nous dit que quand on est gros, on explose les risques de diabète. De maladies cardiovasculaires et tout le reste. Seulement voilà, si jamais vous avez le malheur de dire ça, sans même cibler personne, hein, on ne parle pas de s'adresser à une personne en particulier et de lui foutre la honte devant tout le monde. Pour tout un tas de gens, en disant ça, vous êtes grossophobe, donc oppressif, facho et j'en passe. Est-ce que vous saviez que lors de la sortie du film Avatar, Sigourney Weaver s'était vu décerner un poumon noir par les associations anti-tabac américaines parce qu'en sortant du caisson dans le film, elle réclame une clope vous imaginez le scandale si on décernait des gras d'or aux acteurs obèses Pourtant, c'est un peu pareil quand même. Et venez pas me parler de l'oppression de gens qui touchent des cachets à 6-0. Eh bah, bien, le problème, c'est qu'il y a des choses aussi factuelles que être gros, c'est mauvais pour la santé, qui sont tabous dans la zététique. Pourquoi À cause de sa wokisation. Parce que les gros, ce sont des victimes d'oppression, donc leur faire un reproche, c'est de l'oppression, et ça ne peut pas être justifié par un truc aussi futile que des données scientifiques. Alors il y a ça et tout le reste. Hein. J'ai vraiment juste pris ça pour l'exemple, mais je ne vais pas citer tous les autres. Une accusation de fascisme à la fois, s'il vous plaît. Sans compter que tous ces sujets n'ont a priori pas grand-chose à voir avec la zététique et l'esprit critique, sauf qu'ils sont régulièrement mis sur la table, et puis quand on est sceptique, faut reconnaître qu'on se met à l'être de tout et n'importe quoi. Mais vous voyez, je suis déjà en train de me justifier à moitié. Parce que je sais très bien ce qui m'attend à simplement oser dire ça en vidéo. Parce que le truc est là. Rien que d'oser dire ça, c'est l'assurance d'avoir, au mieux, des esthéticiens qui prennent encore un peu plus leur distance avec moi, et au pire, une shitstorm et des accusations de grossophobie sur Twitter. Parce que vous comprenez, il faut accepter les gens tels qu'ils sont et les choix qu'ils font. Des injonctions à arrêter de fumer pour éviter la deuxième cause de mortalité. Ça c'est acceptable, mais des injonctions à maigrir pour éviter la première, ça c'est inenvisageable. Alors, que les choses soient bien claires, je m'en branle, hein, soyez obèse si vous le voulez, c'est pas moi qui vais venir vous dire quoi que ce soit, pas plus que je ne fais de reproches aux fumeurs. Mais objectivement, c'est mauvais pour la santé. Non, j'ai vraiment juste pris cet exemple pour vous illustrer que ce qui me dérange dans la zététique, c'est que ce sujet-là, et tout un tas d'autres d'ailleurs, sont tabous. Le simple fait de questionner le dogme progressiste établi est devenu condamnable. Je parle même pas de contredire, hein. juste dire dis donc, je suis pas sûr que t'aies raison, j'aimerais bien vérifier. Ça, c'est déjà être un peu facho. Il y a des choses qui sont décidées comme vraies et pas questionnables. Ça, jeunes gens, ça s'appelle un dogme, et en voir comme ça, dans un milieu qui se veut sceptique, ça me fait me dire que la zététique a été wokisée. Il y a la recherche de la vérité et l'usage de la méthode scientifique, sauf dès que ça touche n'importe quel sujet, un chouïa progressiste. Là, ne pas être d'accord ou même émettre simplement des doutes, c'est être un facho. La zététique est devenue pour certains un moyen de mettre en avant leurs idéaux progressistes. Ok, hein, mais le problème, c'est que ces idéaux bénéficient d'un passe droit et ne sont pas questionnables. Et puis, d'abord, c'est pas le boulot de la zététique normalement. Et autant que les woke se comportent comme ça, ça m'étonne moyennement, parce que ce sont des idéologues. Autant voir des zététiciens commencer à en faire de même, bah quelque part ça me fait un peu froid dans le dos. Qu'on soit bien d'accord, j'ai pas de problème avec le fait de traiter tous les gens comme mes semblables, hein. je traite tous les gens comme mes semblables. Non, le problème c'est de ne pas pouvoir s'opposer à des avis absolutistes qui n'acceptent aucune nuance. Rétorquer à quelqu'un qui dit sans, que la réalité, c'est peut-être plus 99,5, c'est ça qui nous vaut des accusations de fascisme. Et on n'a plus non plus le droit d'être au moins un peu beauf. Et par beauf, j'entends par exemple faire des blagues. Je ne parle pas de blagues racistes sur les Noirs, les Juifs ou les Arabes. Hein. Juste des vannes grasses. Tout doit être lisse, politiquement correct, absolument irréprochable. Parce que vous comprenez, on fait des vidéos sur Youtube, donc on est des exemples pour la société. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas provoquer de clash ou de drama. Mais par exemple, il y a un vidéaste que j'ai déjà cité, sans le citer une paire de fois dans cette vidéo, qui refuse de nous parler à moi et à d'autres collègues parce que nos conversations, au demeurant tout à fait normales, hein, sont trop toxiques pour lui. Et depuis quelques temps, il est parti dans une sorte de croisade militante contre tout ce qu'il juge pas assez inclusif, progressiste ou protecteur de la planète. Une Lutte caricaturale du bien contre le mal. Quoi. Et du coup, je sais très bien ce qu'on va me dire. Hein. En fait, t'es grossophobe, psychophobe, transphobe, grossophobe, tout phobe, et t'aimes juste pas que les zététiciens te le disent. Sauf que non, vraiment non. Vous voyez, il y a un autre truc qui me dérange dans la zététique, mais aussi ailleurs, hein. c'est le nombre de gens qui se placent en parangon de vertu. Et qui se sont fait choper la main dans le slip de quelqu'un d'autre. Que ce soit des viols, du harcèlement, qu'ils soient sexuels ou pas, ou tout le reste. Tous ces gens qui n'ont de cesse de vouloir montrer qu'ils sont gentils, eux, et que le monde irait mieux si tout le monde était aussi inclusif et respectueux des différences qu'eux, ils me mettent mal à l'aise. Ils me mettent mal à l'aise exactement comme ce mec, vous savez. Celui qui veut absolument vous vendre un truc et vous répète toutes les deux phrases qu'il cherche pas à vous entuber. Le rapport normal entre deux personnes, c'est de pas s'entuber. Alors pourquoi tu tiens tant à me préciser que t'es dans ce cas-là Bah, les gens trop vertueux, ils me font le même effet. Enfin, non, pas les gens vertueux, les gens qui cherchent absolument à montrer à tout le monde qu'ils sont vertueux. Vous savez, je connais plein de gens dans la vraie vie qui font du bénévolat ou ne ratent jamais l'occasion d'aider quelqu'un et qui sont parfaitement respectueux des altérités. Mais ils ne s'en vantent jamais. Pourquoi Parce qu'ils ne le font pas pour leur image, ils le font, c'est tout. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Pourquoi tu tiens tant à ce que tout le monde voit que tu es bon, inclusif et progressiste T'aurais pas un squelette dans ton placard que tu chercherais à couvrir par une vertu de façade Et pourquoi tu tiens tant à faire la morale à ceux qui ne sont pas aussi vertueux que toi Qu'est-ce que t'as fait d'aussi moralement ignoble pour tenter à ce point-là d'expier tes fautes Non, parce que moi j'en ai fait des trucs pas bien hein, et j'en fais encore, mais je l'accepte parce que c'est pas des trucs graves. Donc j'arrive à dormir la nuit et j'ai pas besoin d'essayer de me racheter une image devant tout le monde et quand je vois le nombre de chevaliers blancs qui sont tombés et qui tombent encore pour viol ou harcèlement sexuel ou bien les soi-disant ex soraliens donc l'extrême droite dure quand même qui se revendiquent maintenant d'extrême gauche tolérante à en vomir mais qui appliquent des méthodes d'oppression gestapistes envers ceux qui ne sont pas d'accord avec eux je me permets quand même de me demander non parce que ces gens-là on les entend beaucoup brailler mais on les voit jamais faire J'en ai croisé de ces hypocrites en convention ou ailleurs, mais curieusement, c'est ceux qu'ils traitent de fachos qui agissent en défendant des victimes d'agression ou en filant des coups de pouce à des handicapés moteurs. Eux, on les voit uniquement faire un scandale sur Twitter quand un Kidam a malencontreusement mégenré une meuf aux cheveux courts en l'appelant monsieur au stand de frites. Des tas de zététiciens ne veulent plus ne serait-ce qu'être aperçus à une convention où j'aurais l'outrecuidance de me trouver. Parce que, vous voyez, ma bonne dame, j'ai une trop mauvaise influence sur mon audience. Parce que comme des millions de Français, je fais des blagues oppressives, et puis comme des millions de Français, ah, j'ai des flingues. Mais quand est-ce qu'on voit ces gens s'afficher en faisant du bénévolat pour montrer l'exemple, ou ouvrir une sponsor gratos à un établissement de recherche contre le cancer ou le don du sang au pif Les seuls appels aux dons qu'ils font, c'est pour leur YouTube. Ils ont aussi un Tipeee, hein, mais ils en parlent pas parce que l'année dernière ils ont gueulé que Tipeee était antisémite, alors il faut surtout pas y être associé, mais bon on va pas s'asseoir sur du pognon juste pour des convictions. Oui, oui oui, l'influence que j'ai est à un certain pourcentage mauvaise. Mais non seulement j'ai jamais prétendu être autre chose qu'un simple être humain, avec tout ce qu'il a de faillibilité et d'imperfection, mais en plus à vouloir trop bien faire, on finit par ne rien faire du tout. Moi, j'ai décidé que je préférais faire une omelette, même si ça implique parfois de casser des œufs. Je ne suis pas un parangon de vertu, je suis juste un mec normal et ma seule qualité, si je puis dire, c'est de bien savoir raconter des histoires et expliquer des trucs. Et on est plusieurs à en avoir plein le cul de ces injonctions à la perfection et ces interdictions de questionner même un peu le dogme établi. On est quelques-uns maintenant à en avoir plein le cul. De ces menaces de mise à l'écart parce qu'on risque d'entacher la noblesse et la pureté de certains combats par notre imperfection qui consiste surtout à réclamer le droit d'engloutir un steak en faisant des blagues de beauf. Et le problème, c'est que de plus en plus, même ça, c'est interdit dans le milieu de la zététique. Donc, je l'ai déjà dit il y a des années, je ne suis pas zététicien. Ne m'appelez pas zététicien. Je suis un sceptique. Je fréquente des gens qui se revendiquent zététiciens, quoique pas tant que ça et de moins en moins, et je le dis, méfiez-vous. Des tas de gens se parent des atours du scepticisme via le terme zététique, uniquement pour donner un enrobage crédible à leur idéologie. Et d'autres, parfois les mêmes, déploient des efforts considérables pour se donner une image vertueuse alors qu'ils traînent en fait des casseroles qui vous feraient froid dans le dos. Alors voyons. Aïe, ah, je sens que les radicaux vont nous faire une belle démonstration de tout ce que je dis dans la vidéo dans les commentaires. En Faites-vous plaisir, hein, c'est bon pour le référencement, c'est ma tournée.